Mesdames, Messieurs, bonjour. Jeudi 6 mai 2021. Bienvenue à Daily Sport. Voici les titres de l'actualité. C'est connu, la mascotte de la CAN s'appellera Mola. Le jury a tranché. Le nom de baptême a été donné hier au cours d'une cérémonie de restitution des travaux de sélection. C'était en présence du président du COCAN, le professeur Narcisse Mwele-Kombi. Sur les rings de boxe russes, les Camerounais sont attendus. Huit pugilistes arrivés en fin de stage ce jeudi quittent Yaoundé demain. Ils prendront part au tournoi international de boxe prévu du 10 au 16 mai en Russie. Finale de la Champions League européenne, un duel 100% anglais à l'affiche. Chelsea affrontera Manchester City le 29 mai prochain à Istanbul. Le club de Londres s'est qualifié hier en battant le club de Madrid par 2-0. Voilà pour ce qui est du sommaire. Mesdames, Messieurs, la lutte contre le coronavirus se poursuit. Un carton rouge au COVID et retrouvons-nous juste derrière. COVID-19 is a reality and it kills. The virus does not travel, we carry it alone. Let us limit our displacement to when it's absolutely necessary. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Cannes 2021, Mola est l'appellation de la mascotte de cette compétition. Le nom a été proposé par le jury hier mercredi à Yaoundé. C'était lors de la cérémonie de dépouillement des résultats du concours national. Une short list de trois mascottes a été rendue publique. Voici les précisions d'Evariste Yenga. Mola, le nom de la mascotte de la CAN 2021, a été proposé par le président du jury à la fin de son dépouillement des résultats du concours national, proposition validée par le président du COCAN. Mola, le nom de baptême est connu, mais sa physionomie pas encore. Mola portera le visage de l'une des trois propositions arrivées en tête du concours national et présélectionnée dans la shortlist. Pour l'instant, ces résultats sont anonymés et il s'agit maintenant pour le COCAN, à travers la commission compétente, c'est-à-dire le secrétariat technique, de les désanonymer et aussi de procéder aux ajustements en fonction des recommandations du jury. Les trois propositions présélectionnées sont encore à parfaire. Les notes obtenues après évaluation du jury l'indiquent. 12,9 sur 20 pour la première, 11 sur 20 pour la mascotte classée deuxième et 9,6 sur 20 pour celle de la troisième place. Le public pourrait participer à la perfection de la meilleure lors du dévoilement officiel. Peut-être y aurait-il la possibilité pour le public, à travers des modalités qui pourraient être définies, de contribuer selon un certain coefficient à l'enrichissement du travail fait par les distingués membres du jury. Vous vous doutez bien que ce travail visuel, sonore, devra rencontrer dans le cadre de la concertation collaborative et du partenariat avec la CAF, devra rencontrer l'assentiment de la CAF et évidemment, la validation du président de la République qui est le patron de l'événement. La présentation officielle est prévue à mi-parcours du mois de mai. Une présentation en mondovision et par voie de télévision. Nous passerons à l'étape du dévoilement public, c'est-à-dire de la présentation au grand public à travers une émission télévisée, le contexte sanitaire actuel n'incitant pas à de très grands regroupements, avec le partenariat habituel noué avec la CRTV, nous procéderons à une grande cérémonie spectacle au cours de laquelle ces œuvres seront dévoilées au grand public. Mola
selon le professeur Jean Tabimanga, signifie « oncle » et par extension « frère », ami, copain. À sa naissance physique, Mola trouvera son nom gravé en quatre lettres, M-O-L-A. Les membres de la toute nouvelle commission des athlètes du Comité national olympique et sportif du Cameroun ont été installés hier par Victor Agbonso, vice-président du CNOSC. Cet organe a pour rôle essentiel de faire des propositions au Comité national olympique et sportif du Cameroun, ceci dans l'optique de booster les performances des athlètes pendant les compétitions internationales et même nationales. Voici les précisions de Armand Ambassa. Voici les 8 membres du tout premier bureau élu de la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Un bureau dont la durée du mandat de 4 ans est chapeautée par la volleyeuse Victoire Laure Ngontame. La déléguée du Cameroun au forum des athlètes du CIO mesure déjà la tâche qui leur incombe. Communiquer autour de la commission. D'abord, éduquer les propres membres afin qu'ils prennent connaissance des différentes tâches. Mettre ensemble un plan d'action en place pour que la commission des athlètes soit véritablement représentée dans toutes les organisations sportives de notre pays. Par visioconférence et en présentiel, les 15 participants au profil sportif varié ont eu droit à 3 exposés. La place de l'athlète dans le mouvement olympique, la création et le fonctionnement de la commission des athlètes et enfin, la présentation des opportunités de la plateforme Athlète 365. La plateforme offre des formations diverses pour les athlètes, des cours sur la psychologie, la physiologie, sur l'entrepreneuriat, et donne aussi des conseils aux athlètes pour pouvoir gérer leurs finances, pour pouvoir gagner de l'argent. Signe des partenariats avec des grosses firmes mondiales telles que Airbnb, qui permet aux athlètes de partager leurs expériences et en partageant leurs expériences, ils peuvent gagner de l'argent, qui permettent aux athlètes de se former. Au cours des échanges entre les exposants et les membres de la commission des athlètes, ces derniers ont relevé, pour le déplorer, les éléments qui ne permettent pas aux athlètes d'être performants. Il y a des problèmes d'harcèlement qui fait en sorte que certains athlètes en général ne puissent pas monter en puissance. Il y a le problème de plume, le problème de motivation, donc il faudra aussi que l'État puisse vraiment s'imprégner davantage. Au cours des travaux, la reconversion des athlètes a également occupé une place de choix. On passe tellement de temps sur les stades, sur les terrains qu'on ne pense pas encore à la reconversion alors qu'on doit vraiment y penser. En organisant ce séminaire de 2 jours, pour la mise en place de cette commission des athlètes, le Comité national olympique et sportif du Cameroun s'arrime ainsi aux exigences du CIO qui place l'athlète au centre du mouvement olympique. Je félicite chaleureusement les tout premiers membres élus de la commission des athlètes. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de nos instances dirigeantes, car certains entre vous vont siéger à l'Assemblée générale et au conseil d'administration du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Nous avons hâte de travailler avec vous pour garantir la place que nos athlètes méritent au sein du mouvement olympique et sportif camerounais. Cette commission a donc un droit de regard sur la détection, la protection et la préparation des athlètes avant chaque compétition, non sans mettre un accent particulier sur la lutte contre le dopage dans le sport. C'est une institution qui est opérationnelle, donc les propositions peuvent toujours arriver au Comité national olympique à n'importe quel moment. Donc ils sont au travail dès aujourd'hui. À quelques mois de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020, les premières propositions de cet organe consultatif sont donc attendues. Et c'est donc au total 8 membres qui ont été installés hier à cette commission. Ces derniers serviront de lien entre le comité des sports et leurs pairs dans les différentes disciplines. Daniel Ekonde.
For far too long, there had not been athlete representation at the Cameroon Olympic and Sports Committee. That's why 2 months to the Tokyo 2020 Olympics, 8 members from 8 different disciplines have been elected and instituted in the organization's headquarters in Yaoundé. The first thing I will do to make workshop to educate the members of our commission firstly, and we extend our action on all on the world country. A veteran volleyball player, Victoire is banking on her experience to incise the problems athletes face. She's a member of Athlete 365, an international body that supports athletes on and off the field of play through relevant advice, services and tools. But as a football gold medalist of the 2000 Olympic Games in Sydney, former Cameroon midfielder Nicolas Anouji is aware of the challenges players come across. On peut en citer parce qu'il y avait déjà ce problème d'infrastructure déjà. Et il y a des problèmes d'harcèlement qui fait en sorte que certains joueurs ou certains athlètes en général ne puissent pas monter en puissance. Il y a le problème de prime, le problème de motivation, donc il faudra aussi que l'État puisse vraiment s'imprégner davantage pour que l'athlète puisse vraiment se nourrir déjà et se motiver même. The process took the 21 participants 2 days to enlighten and elect the candidates. Representing the Cameroon Olympic and Sports Committee President Kenel Hamad Karkaba Malboum, the Vice President Victor Agbonso said he was happy that the exercise ended smoothly, but more so fulfilling the wish of the International Olympic Committee. This commission, which has been put in place, a long-awaited institution within the framework of the National Olympic and Sports Committee and the Olympic movement in general. The international instances, especially the International Olympic Association, has been on our neck within the lines of governance, good governance principle, to see into it that this institution is put in place. It is to have athletes' representation within the governing instances of the Olympic movement of the country. The new team also include boxer Sei Wilfried. Parlons à présent du noble art avec ce tournoi international de boxe que la Russie s'apprête à accueillir sur son sol. La délégation des pugilistes camerounais quitte le pays demain vendredi. Objectif, faire une bonne compétition préparatoire aux Jeux olympiques de Tokyo cette année. Catherine Nadine Mbomezomo nous présente cette compétition. Cette compétition intervient à quelques mois du coup d'envoi des Jeux olympiques de Tokyo 2020. L'International Boxing Tournament Konstantin Korotkov Memorial permettra aux boxeurs du monde entier en général et aux boxeurs camerounais en particulier d'évaluer leurs performances. La délégation camerounaise, composée de 8 boxeurs, dont 6 messieurs et 2 dames, vient de boucler le stage préparatoire au camp de l'unité. On travaille, je crois, sur les leçons collectives pour nous habituer aux échanges et le physique et la multiplication des coups. Donc, et moi aussi, spécialement, je travaille pour mes petits points faibles. Je porte vraiment mal, parce que depuis là, on a le problème de sparring, on veut pas de préparation. Parce qu'on travaille, mais sans sparring partner, on a eu beaucoup besoin, on a besoin de beaucoup échanger avec les gars. Cette compétition est une aubaine pour ces pugilistes qui n'ont pas eu le temps nécessaire de se préparer à cause de la pandémie du Covid-19. Ah, on se prépare très bien, c'est vrai, le travail c'est là depuis matin. Et là, il manque quelques jours pour aller éclater. On a fait beaucoup de préparation, tellement Corona nous a perturbés, donc vraiment nous sommes en forme, nous sommes prêts pour... La compétition de la Russie, vraiment, c'est pour confirmer vraiment où, à quel niveau nous on en est déjà, parce qu'on a raté la qualification pour la France. Les athlètes camerounais qualifiés aux Jeux olympiques n'entendent pas faire une piètre prestation. L'objectif pour ces Jeux de Tokyo, c'est de rentrer avec une médaille d'or. Médaille d'or, parce que je ne veux pas aller figurer, et je ne veux non plus dire une médaille de bronze ou argent, pour ne rien avoir. Donc mieux je mets l'objectif sur l'or pour peut-être avoir l'argent, la bronze. Il est important de relever que la dernière édition de ce tournoi international de Russie s'est tenue il y a 2 ans. Pour la team Cameroun, participer à ce tournoi vise bien des objectifs.
notre équipe nationale de boxe du Cameroun est là. Elle s'entraîne pour aller en Russie. Et j'ai confiance, c'est pour les Jeux Olympiques. C'est un tournoi préparatoire pour les Jeux Olympiques. J'ai confiance d'avoir une médaille, une troisième médaille olympique au Cameroun. Cette compétition, prévue du 10 au 16 mai prochain, permettra aux athlètes camerounais de rassurer davantage pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ce sera les 16 et 23 mai prochains, la double confrontation entre le Jaraf du Sénégal et Coton Sport de Garoua. Pour sa première participation en Coupe de la CAF, le club médinois s'est hissé en tête du groupe C à l'issue des phases de poule avec un total de 11 points. La présentation de cette équipe, c'est avec Virginie Edima. Il est le premier représentant sénégalais à disputer les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football depuis la création de la compétition en 2004. Le Jaraf de Dakar, présidé par Cheikh Seck, ancien gardien de but du Sénégal dans les années 80, ne figurait pourtant pas parmi les favoris. Il a coiffé les deux clubs tunisiens habitués des compétitions africaines, l'Étoile du Sahel et Sfax. Une belle performance qui a propulsé le roi en tête du groupe C avec 11 points. En 6 matchs joués en Coupe de la CAF, le club dakarois a enregistré 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Classé 8e du championnat sénégalais, le Jaraf totalise 18 points en 11 rencontres, soit 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites. L'association sportive et culturelle Jaraf de Dakar, créée le 20 septembre 1969, est 12 fois champion du Sénégal et a remporté à 15 reprises la Coupe du Sénégal. Pour les deux confrontations face à Coton Sport de Garoua les 16 et 23 mai prochains, Cheikh Gueye pourra compter sur 3 joueurs, les milieux de terrain Albert Lamine Diène et Makhtar Ndiaye, ainsi que l'attaquant Papa Youssou Paye. Nous restons bel et bien en football avec un accent particulier cette fois-ci sur le championnat local. Et à cet effet, Nestor Kamga m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nestor. Bonjour Rosalie Sofinke, amis sportifs, bonjour. Nous parlons de Focus League juste après cette transition. On commence par le championnat national de football Elite One. La colombe du Jai Lobo n'a pas réussi à s'envoler avec du coton. Hier mercredi, c'était le duel des extrêmes, mais qui s'est achevé par un score de parité d'un but partout. C'était un match en retard de la 9e journée du championnat national Elite One dans le groupe B. Le match avait pour cadre le stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. C'est Coton Sport de Garoua qui ouvre la marque sur pénalty à la 17e minute. Et dans un sursaut d'orgueil et un jeu collectif mieux organisé en deuxième période, Colombe Didier et les Lobo parvient à remettre les pendules à l'heure. Voyons les moments forts de cette rencontre palpitante dans ce reportage. Explosion de joie des supporters de Colombe Didia et Lobo suite à cette égalisation de Bertrand Junior Mani à la 60e minute face à Coton Sport de Garoua. À égalité parfaite, le duel est encore plus palpitant et l'Oiseau du Sud multiplie les opportunités de saler l'addition. C'est ainsi qu'à la 66e minute, Rostam Mengue adresse un boulet de canon à Narcisse Lène, magistral sur le coup. Le gardien de but des visiteurs sauve encore de justesse son club à la 75e minute dans un mouchoir de poche. Telle une réponse, la charnière offensive de Coton Sport de Garoua manque d'un cheveu. Le but victorieux 9 minutes plus tard. Partout à la fin. Pourtant, c'est Aboubakar Souleymane et ses poulains qui commencent en grande pompe. Ils ne laissent aucun repli à leur adversaire dès les premières minutes. L'ouverture du score intervient logiquement à la 17e minute sur pénalty, transformée par Francis Joël Tombi.
Les visiteurs vont continuer de dominer la première manche en multipliant les occasions de but infructueuses. En face, un rideau défensif de l'Oiseau du Sud qui fait barrage à toutes les tentatives des cotonculteurs. Les deux équipes se partagent finalement les points de la rencontre. Le compteur de Colomba affiche désormais 9, tandis que celui de Coton Sport affiche 13, le même nombre de points avec le deuxième, Panthère Sportive d'Yaoundé. Eh bien, parole à présent aux acteurs de cette confrontation. Dans le camp de Colombe du Jay Lobol, l'objectif a été partiellement atteint. La défaite était interdite pour l'Oiseau du Sud. Je vous propose de suivre tour à tour Fils Baudouin Ondobol, entraîneur, et Bertrand Junior Mani, buteur de Colombe du Jay Lobol. Paris gagné, oui, parce que déjà, Coton était en quart de finale de Coupe africaine. C'est une grosse écurie. Mais nous nous sommes préparés pour dicter notre loi, mais pas pour jouer contre la loi de Coton. C'est pourquoi aujourd'hui, on a concédé un but très tôt en première, mais les gars sont restés concentrés. Et c'est dire, on doit jouer parce que nous sommes venus faire le match. En partant au vestiaire, on était mené et dans les vestiaires, il était question de revenir et essayer de donner au meilleur de soi, titiller et Coton qui avait en face de nous une très belle équipe. Et donc, tous nous connaissons. Nous sommes venus et on a tapé un long ballon où nos deux attaquants, le fils qui fixait, Nguemé, est monté, il a remis. Bon, j'avais cet instinct-là, il sentait quelque chose, j'ai suivi et j'ai mis ça au fond. Du côté de Coton Sport de Garoua, l'on se contente du point arraché à l'extérieur. Dans l'extrait qui va suivre, Souleymanou Aboubaka, le patron du banc de touche de l'équipe du Nord, dit qu'ils doivent se remettre au travail. Dit que Coton était invincible. Non, alors c'est le football. Ils ont marqué. Ce n'est que normal. C'est des gars qui se cherchent. Ils sont au bas du tableau. Il fallait qu'ils fassent des efforts comme ça pour chercher à s'en sortir. Mais attends, mais au bout, regardez, nous aussi, c'était quand même une part de maladresse. On a eu combien de situations? 1-0. Il y en a eu tellement. Donc, nous, on va se remettre au travail. Et s'il y a donc un joueur que nous avons suivi de près au cours de cette confrontation, c'est bel et bien Lambert Nguemé Arena. Rosalie, c'est l'actuel meilleur buteur du championnat national de football Elite One avec déjà 7 buts inscrits en 6 rencontres. Face à Colombe du Jay Lobol, il est rentré sur le terrain à la 58e minute, peu avant le but égalisateur de l'adversaire. Le joueur de 22 ans n'a pas pu donner l'avantage à son équipe malgré sa hargne d'augmenter son capital but. Dimitri Onomor était au stade, il a suivi Lambert Nguemé Arena de près. La détermination et la rage de scorer se lisent sur le visage de Lambert Nguemé Arena. Le meilleur buteur du championnat avec 7 réalisations s'apprête à rentrer sur la pelouse face à Colombe du Jay et Lobo. Moi, j'ai toujours compté sur le collectif. Donc, durant des mois, on a eu à travailler avec mes coéquipiers. Donc, il y a l'entente entre moi et mes coéquipiers, surtout mes deux milieux de couloir qui jouent sur le côté. 58e minute, la terreur des défenses remplace le Congolais Jean Rossi Okomu. Le meilleur artificier des cotonniers se met rapidement dans le bain. Face à Colombe du Jay Lobo, Nguemé Arena touche le ballon à 65 reprises. Une seule tentative. Ses qualités techniques sont un élément de motivation pour le staff technique de son club. Il a une très bonne force de frappe de balle. Il a un déplacement. Et il a une force de résistance, surtout au niveau des poumons, assez importante. Et il se débrouille aussi très bien par les jeux de tête. Sur le terrain, Lambert est mobile, efficace et met facilement en mal la défense adverse. Des paramètres qui font de ce jeune attaquant de 22 ans un joueur apprécié par ses coéquipiers et même son encadrement technique.
c'est l'un des meilleurs buteurs que le championnat camerounais est. C'est un enfant discipliné, travailleur et très jaloux de lui-même. Il est difficile que Arène entre dans un match, il le joue sans marquer le but et il sort content. Jamais. Il est toujours engagé pour au moins faire parler les filets. Lui, c'est mon meilleur ami. Et on dort ensemble. Et si on a le match, on dort ensemble. Donc on se donne des idées. Comme souvent, je joue comme 10. Je peux, on communique beaucoup. On communique beaucoup. Donc vraiment, avec lui, il y a trop de sérénité. Arena, c'est un bon joueur et c'est actuellement le buteur de Coton. J'aime bien jouer avec lui. C'est un gars, il est très efficace devant les buts. Donc on essaie de collaborer ensemble sur le terrain le plus longtemps possible. C'est nos objectifs, de faire marquer pour qu'à la fin, on ait un buteur à Coton, soit au championnat ou à la Coupe de la CAF. L'avant-centre de Coton Sport est à sa 3e saison avec le club du Nord. Lui qui a séduit Coton pendant qu'il était sociétaire d'Espérance de Guider se sent bien avec les cotonniers. Je passe bien, je suis à l'aise. Coton Sport est l'un des meilleurs clubs. Ils sont comptés parmi les meilleurs clubs en Afrique. Bon, je suis content de défendre les couleurs de Coton Sport et de chercher pour aller vers l'avant aussi. Lambert Guémé Arena est sur la voie de son joueur de rêve. Mon mentor, c'est Lewandowski au Bayern Munich. Le compteur but de Lambert Guémé Arena affiche 11. 7 en championnat et 4 en Coupe de la CAF. Le joueur a inscrit un hat-trick contre Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, un doublé face au Canon Sportif de Yaoundé, un but devant Young Sport Academy de Bamenda et une réalisation contre Panthère Sportif d'Undé. L'avant-centre nourrit le rêve de terminer meilleur buteur du championnat et meilleur buteur de la Coupe de la CAF. Avec un tel talent, voici une nouvelle qui rassure. Le championnat national de football Elite One est fort couru. Cette année, plusieurs étrangers se sont engagés avec les clubs locaux. C'est le cas de Coton Sport de Garoua. Tout à fait, Rosalie. Le club de la région du Nord a aligné hier face à Colombe du Dja et Lobo un match en retard de la 9e journée du championnat national Elite One. Deux de ses joueurs étrangers, parmi eux Arnaud Sibiristano en image, originaire du Burkina Faso et ex-sociétaire de l'AS fonctionnaire de Bobo Dioulasso, avec lequel il a été champion du Burkina Faso en 2018. Le meneur de jeu a rejoint Coton Sport de Garoua au cours de la saison 2018-2019. Il est déjà en fin de contrat avec le club camerounais. Ce qui fait sa force, ce qui fait la force de ce joueur de 22 ans est qu'il aime évoluer parmi les meilleurs, ce qui l'amène le plus souvent à se surpasser. Arnaud Sibiri a évolué avec l'équipe nationale des moins de 17 ans du Burkina Faso. C'était en 2014 lors des éliminatoires de la CAN de la catégorie et en 2015 avec les moins de 20 ans. En 2016, il a participé au tournoi de l'UEMOA avec les étalons à prime et en 2018, il a été convoqué chez les moins de 23 ans de son pays. Arnaud Sibiri fait d'ailleurs la fierté de Coton Sport de Garoua. Un autre joueur étranger que Coton Sport de Garoua a aligné hier mercredi face à Colombe du Dja et Lobo, c'était à l'occasion de la 9e journée, c'est Jean-Rossis Okumu. Il est originaire de la République, de la République du Congo et ex-sociétaire de l'AC Léopard du Congo Brazzaville. Le joueur de 23 ans a déposé ses valises au sein de Coton Sport de Garoua cette saison pour 2 ans. Du haut de son 1m75, ce milieu de terrain excentré gauche-droit a été formé à l'école de football Futista du Congo et à la Kadi Sports Academy de Douala au Cameroun. Avec AC Léopard du Congo, il a été vainqueur de la Coupe du Congo en 2013. Il a été meilleur buteur de la Coupe Viareggio en Italie en 2014 avec la sélection nationale des moins de 20 ans du Congo. Le meilleur joueur et meilleur buteur de l'Académie City Foot au Maroc en 2016 a aussi été champion du Gabon en 2019 avec le Centre Berry Sportif. Voilà deux des joueurs étrangers que Coton Sport de Garoua aime bien utiliser et a d'ailleurs aligné. C'était hier face à Colombe du Dja et Lobo. Et pour Rossis, pour Jean Rossis Okumu, le Cameroun est une terre hospitalière. Je vous propose d'ailleurs de le suivre. Je me sens à l'aise ici à Coton. Tout se passe bien depuis mon arrivée. Et nous sommes très
très engagé pour la Coupe africaine. On essaye de tout donner pour aller le plus loin possible, et ainsi qu'avec le championnat. C'est notre objectif, gagner le championnat et aller le plus loin possible à la Coupe de la Confédération. Je me sens bien, c'est un championnat très dur et ça joue physiquement, il faut être au point. C'est un championnat vraiment dur et je prends du plaisir à jouer chaque match et je me concentre pour m'améliorer de jour en jour. Eh bien, parole aussi à Arnaud Sibiri qui avoue qu'au sein de Coton Sport de Garoua, l'ambiance est bon enfant. Bon, dans l'ensemble, avec le club, ça va. Il y a l'ambiance et puis il y a l'amour de l'un et l'autre. Donc je peux dire que c'est très très important. Bon, j'ai fait 3 ans ici et ce championnat c'est trop physique et trop agressif aussi. Donc il faut chaque match avec Coton, c'est une finale. Donc c'est un championnat bien physiquement, bien et bien engagé. J'aimerais repartir pour voir la famille, pourquoi pas partir ailleurs aussi. Parce que venu dans un autre pays, ton objectif, tu dois prouver ici pour pouvoir partir ailleurs aussi. Arnaud Sibiri, un joueur qui fait d'ailleurs la fierté de Coton Sport de Garoua. Un mot maintenant sur le classement non officiel à l'issue de ce match en retard du groupe B qui s'est disputé hier entre Colombe DJ Lobo et Coton Sport de Garoua. Canon Sportif reste en tête, premier avec 16 points, Panthère deuxième avec 13 points et 13 points également pour Coton Sport de Garoua classé troisième avec 3 matchs en retard. UMS de Loum est quatrième avec 12 points et 2 matchs en retard. APGS Dunfou est cinquième avec 12 points et 1 match en retard. Voilà ce qu'on pourrait vous dire ce matin concernant ce classement non officiel à l'issue du match en retard disputé hier mercredi à Yaoundé. Justement au sujet de ces matchs en retard, précisons que Coton Sport de Garoua recevra dimanche prochain APGS Dunfou. Ce sera à Garoua, un match en retard de la première journée. Rosalie Sofinke. Et nous allons terminer avec cette information parlant de la Coupe du Cameroun de football. Les combinaisons des 32e de finale sont déjà connues, Nestor. Tout à fait, Rosalie. C'était hier mercredi à l'issue de la cérémonie du tirage au sort à la Fédération camerounaise de football. Premier constat, certains clubs de division régionale ont hérité des équipes de première division. C'est le cas sur ce tableau que nous vous proposons d'Ajax de Maroua qui affrontera AS Fortuna, Buffle Noir de Garoua contre Bambouto Football Club de Mbou. FC Ebolo va contre Fovu de Baham, Arsenal de Yaoundé contre APGS Dunfou. Un autre constat, certains clubs des championnats Elite One et Elite Two vont se retrouver au niveau des 32e de finale de la Coupe du Cameroun de football. C'est l'exemple des rencontres New Star de Douala contre Dragon FC de Yaoundé, Aigle Royal de la Ménois contre FC Yaoundé 2 et puis Fontia Street de Bamenda contre Caïman de Douala. Rosalie, c'est tout pour Focus League de ce matin. Voilà, merci Nestor Kamga pour ce package Focus League de ce matin. On se dit à demain pour le même exercice. Tout à fait, avec l'affiche du week-end. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette émission sur les tatamis. Nous irons découvrir une athlète pas comme les autres. Son nom, c'est Vanessa Mbala à Tangana. À tout de suite. Hortense Vanessa Mbala à Tangana, un phénomène au féminin. C'est elle qui représentera valablement le Cameroun en judo aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. La championne d'Afrique de la discipline est une femme au grand cœur, une femme dans tout le sens du terme. Allons à la découverte de son quotidien avec Esther Ayimboku.
fais du judo depuis près de 12 à 13 ans. Et dans le haut niveau, ça fait 10 ans que je pratique du haut niveau. Derrière cette forte carrure se cache une femme en or. Bonne arrivée chez Bala Vanessa. Ah, je vous présente ma deuxième maman. Bonjour maman. Bienvenue ma fille. Vous croyez que la mort d'un époux ne fait pas souffrir? Je ne sais pas. Ça faisait près de 10 mois que je n'avais pas fait de compétition par rapport à la crise sanitaire que le monde entier subissait. Donc du coup, il y avait du stress, il y avait aussi de, si je peux dire ça comme ça, un peu de réticence. Mais néanmoins, je n'ai pas baissé les bras parce que même pendant le confinement, je m'entraînais en visioconférence avec mon entraîneur, M. Roguit Chenet. Et quand on a été déconfiné, on a continué la préparation à l'extérieur parce que jusque-là, on n'avait pas le droit à aller dans les salles de judo. Donc on faisait du judo parfois dans des parkings de voitures ou alors dans les stades. Et jusqu'à ce qu'on soit déconfiné, on a continué à travailler. Donc, j'ai vraiment pas baissé les bras pendant le confinement. Hortense Mbala Tangana, judoka camerounaise, est la cadette d'une famille de plusieurs garçons. Au judo, le sport de combat en général, si on n'a pas le mental, si on n'a pas la volonté, si on ne supporte pas certaines contraintes, on ne peut pas y arriver. Donc, je pense que c'est tout cela, tous ceux qui sont autour de moi, tout mon staff, ma famille. Voilà, tout ce petit monde-là, ce sont eux qui font ma force. Ils sont toujours là derrière moi pour m'encourager, pour me dire ce qu'il faut. Au moment où il faut, ils sont toujours là. Elle se donne à la lutte très tôt. Très charismatique, Vanessa n'avait jamais été battue par ses égaux. Sa maman lui prête le flanc et en rajoute de l'énergie à sa vigueur. Je suis fière de ma fille. Je l'ai inscrite au judo parce qu'elle aimait trop la bagarre. Et chaque bagarre, même elle gagnait. On ne l'avait jamais gagné depuis sa naissance. Donc ça m'a beaucoup plu. C'est je crois que j'ai accepté qu'elle aille là-bas. J'attends tout à Hortense. Parce que depuis que Hortense a commencé le judo, ma fille ne m'a jamais laissé. Mais elle est née dans une famille pauvre. Et quand la famille est pauvre, c'est elle qui doit maintenant nous. Oui, on compte sur elle. Donc, 2021, tu n'as pas pu ça à terre. On va nous faire un peu de temps. Je vais vous faire un peu de Ne vous méprenez pas à leurs apparences. Ce sont tous ces aînés en âge. Ils ont de très bons projets pour leur champi kilo. Je veux le plus cher et maintenant sur la santé. Également, si je accorde encore à la fin de l'Olympiade, et à la médaille aux Jeux Olympiques. Moi, particulièrement, je suis tellement content d'avoir une petite sœur aussi forte, si battante. Généralement, dans les blagues en ville avec mes amis, je les dis tout le temps, vous pouvez me battre, je dis, mais mon retour arrive. Ça fait bizarre de voir que c'est dans une famille, c'est une fille qui a autant de force, mais aussi ça fait du bien qu'on sache que vous avez une soeur comme ça. Moi, ça me fait du bien. Je suis content de rassembler mes amis, mes collègues, partager un moment du jour avec eux, mettre la musique, faire la fête, crier. Et dis à qui veut l'entendre que la championne d'Afrique que vous avez vue, c'est ma petite soeur, moi. Tellement content. Donc, quand il y a une compétition, quand je ne peux pas voir, je fais signe à son conjoint. Je lui demande si ça passe à quelle chaîne ou je peux aller dans quel site tu veux voir, si tu veux regarder le combat. Il me dit, va là-bas, regarde, fais des recherches, tu vas voir et tout et tout. Comme le dernier championnat, celui qui a gagné, j'étais avec mon beau-frère en ville. On suivait le combat en direct. On regardait jusqu'à ce qu'ils nous disent que c'est bon. Elle a gagné la finale. Oui, champi-kilo. Quand la famille est réunie et que l'on se souvient d'une victoire, il y a de quoi esquisser quelques pas de danse.
Tant que je gagne les médailles, ça va. Tant que je gagne les médailles, c'est bon. Hortense Vanessa n'oublie pas ses heures de travail. Il est temps de bosser. Allez, on y va. Je suis très contente parce que ça me permet, cette victoire m'a permis d'engranger au moins 700 points de plus dans ma cagnotte, ce qui fait en sorte que je suis 14e mondial actuellement. Je peux dire que j'ai un point et demi dans la qualification. Pourquoi un point et demi? Parce que la fin de qualification se termine au 31 juin 2021. Donc je ne peux pas dire officiellement que je suis qualifié, même si on le sait. Mais je préfère être resté dans ma logique et attendre la liste finale. Je suis le préparateur physique de Mbala Atana Vanessa depuis une douzaine d'années. La période de Covid a eu certes une influence sur la préparation de Vanessa, mais je peux vous dire que de concert, nous travaillons à l'ombre pour qu'elle puisse garder sa forme. Et nous programmions des séances d'endurance qu'elle faisait dans son jardin avec ses amis. Et ça a permis en sorte qu'elle soit au top. La performance qu'elle a faite à Madagascar montre bien qu'un travail a été fait pendant le Covid. Et voilà, nous on n'a pas dormi. Je crois que ça a payé. L'objectif principal déjà de la championne, c'est de faire un podium pour les JO 2021. Et nous ne donnons pas la couleur de la médaille. Notre souhait, c'est qu'elle fasse un podium. Si c'est la médaille d'or, ce sera tout bénef pour nous. Mais nous promettons que si tout est mis en œuvre pour que l'athlète soit dans les bonnes conditions, elle fera un podium. Vous savez, l'entraînement ou la préparation physique n'est pas la seule ou le seul domaine qui aide l'athlète à arriver au top. Il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre administratif. Il y a le paramètre technique, il y a le paramètre physique qui font en sorte que si tout ça est mis ensemble, nous pensons que Vanessa peut faire une très bonne performance en 2021 à Tokyo. Et lorsque des échéances sérieuses à l'instar des JO se préparent, elle accroît le rythme de travail. Nous étions en train de travailler sur un programme de body way. C'est une préparation physique qui permet à l'athlète de se déplacer avec souplesse, avec vitesse et avec dynamisme. Donc, elle a besoin de ça parce qu'elle fait la catégorie des lourdes. Donc, les lourdes ont l'habitude d'être un peu statiques, mais avec un avantage de déplacement et de puissance, tu as un plus par rapport à d'autres lourdes. Ok, c'est un peu le travail qu'on faisait là tout à l'heure.
Vanessa n'est plus un cœur à prendre. La détermination dans le travail lui a permis de rencontrer celui qu'elle aime. Je n'ai jamais vu Vanessa comme une combattante ou comme une athlète. Nous avons partagé le même dojo au début de notre parcours sportif pendant bien des années jusqu'à ce que je la regarde différemment d'une athlète. Et puis on s'est mis ensemble, ça fait 13 ans qu'on se connaît. Et c'est la championne sur le tapis, mais en privé, c'est ma femme pour le bas. Donc la question pour moi ne se pose pas si elle soit combattante ou du local. On s'entraîne ensemble, on vit ensemble, on passe la moitié de notre temps, pratiquement la majorité de notre temps sur les tapis, sur les terrains de sport et tout. Mais on a quand même des moments à nous à la maison et quand on sort, on doit les entraînements. S'il y a quelque chose que je peux lui dire, c'est que je suis l'un de ses fans. Je pourrais même dire son tout premier fan. Parce qu'au début de sa carrière, je me souviens en 2010, je lui avais fait savoir que pour moi, je trouvais qu'elle avait tout pour être championne du Cameroun, pour être boursière et peut-être aller beaucoup plus loin que ça. Et quelques mois plus tard, elle a été championne du Cameroun. Elle a été boursière et puis sa carrière avait décollé. Donc je suis content et je suis ravi d'être cette épaule-là sur laquelle elle peut s'appuyer, pour, surtout quand ça ne va pas. Elle peut compter sur moi. Même quand ça va aussi. Quand ça va, nous sommes nombreux, ça va. Dans les grands comme dans les petits combats, la judoka camerounaise ne change pas sa façon de voir la victoire. La native de Bikok, dans le centre du Cameroun, est très loin de s'arrêter là. Ces combats ne font que commencer. J'ai eu mon quatrième titre, j'avais 28 ans passés. J'espère que je vais continuer à donner le meilleur de moi pour continuer à avoir de cette belle médaille pour les années qui arrivent. I want to award this ceremony, please, to stay with us. Vanessa Mbala Tangana, une valeur sûre du judo camerounais. Place à Diasport à présent et Robert Badiak est avec nous. Bonjour Robert. Bonjour Rosalie. On déroule le tout dans un instant. Les finalistes de la Ligue des Champions sont connus. Chelsea rejoint Manchester City après avoir écarté le Real de Madrid hier. Nous aurons donc droit à une finale 100% anglaise. Chelsea a été plus fort que le Real Madrid hier en demi-finale. Retour de la Ligue des Champions. Victoire des Blues 2-0 après le nul 1-1 de l'aller. Chelsea retrouve la finale après celle de 2012 qu'il avait d'ailleurs remportée. Retour en image sur cette demi-finale remportée par les Blues face au Real de Madrid avec Suzanne-Claude Effa. Le Real Madrid devra attendre pour gagner sa 14e Ligue des Champions. Le club espagnol a été éliminé en demi-finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe de football. Les Madrilènes ont rencontré une solide et vaillante formation de Chelsea qui les avait déjà tenus en échec au match mardi exceptionnel. Le gardien de but est sur la trajectoire des frappes signées des milieux de terrain Toni Kroos et Luka Modric. Dominés dans le jeu mais plus agressif, les Londoniens parviennent à ouvrir le score à la 21e minute par l'entremise de Werner. En début de seconde période, Alves envoie encore le ballon sur la traversale madrilène. Mais cette fois, il y a sorti de but. Puis l'Allemand perd un duel crucial face à Courtois. À la 85e minute, l'attaquant Mason Mount inscrit le second but sur un service du milieu Christian Pulucci. Il y aura donc une finale de Ligue des Champions 100% anglaise pour la troisième fois. Après Liverpool Tottenham en 2019 et Manchester United Chelsea en 2008. Les Blues, vainqueurs de l'épreuve en 2012, affronteront encore des Mancuniens. Mais cette fois, City.
PSG ni le Real de Madrid n'ont réussi à prendre l'avantage au match retour, ce que Liverpool avait pourtant réussi à faire il y a 2 ans, Robert. Comme en 2019, donc, deux clubs anglais se retrouvent en finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans. Liverpool, champion de l'édition cette année-là face à Tottenham, se qualifiait pour la finale grâce à une remontada qui restera pour longtemps encore dans les annales. Perdant 3-0 à l'aller, ils ont réussi le miracle en remportant le match retour 4-0 à Anfield à domicile. Flashback. Now then, Mane's in the middle. There's not much else to aim for. Now there is. It's in. It's Gini Wijnaldum for Liverpool. He's caught in a beaut. Shaqiri. Wijnaldum! Oh my goodness gracious me! The unthinkable. The unbelievable. Liverpool are level from. The raw emotion of what's going on in this game. Early goal. Origi! Liverpool just got it. Place aux demi-finales retour de l'Europa League ce soir. Manchester United est presque déjà qualifié. Villarreal doit finir le travail face à Arsenal. Manchester United a déjà fait le gros du travail en écrasant l'AS Roma à l'aller par 6-2. Autant dire qu'il faudra un miracle pour l'AS Roma pour qu'il puisse passer en finale. Revivons ensemble les moments forts des demi-finales aller entre les Red Devils et la Roma. Oh là là, le numéro de Pogba, la remise de Cavani vers Bruno Fernandes. Oh, ils sont magiques, ils sont diaboliques. Les Red Devils, c'est Bruno Fernandes. Dzeko, le ballon est raté, derrière c'est encore jouable la main peut-être de Paul Pogba. Alors ça, ce qui s'est passé à David De Gea. Et Pellegrini ne manque pas l'occasion de revenir et de relancer une Roma qui avait perdu Vertu et qui avait encaissé très vite le premier but. Mkhitaryan, oh, il est bon ce ballon pour Pellegrini. Et l'arrivée d'Edi Dzeko. Incroyable. Incroyable la Roma. Deux blessés. L'ouverture du score concédé. Et pourtant, ils sont là. Et ils inscrivent un deuxième but à Old Trafford. Avec la présence de Bruno Fernandes, le petit ballon vers Cavani. Cavani, le matador, remet Manchester United à égalité et vient relancer encore cette demi-finale. Allez, le décalage il est bon pour Wan-Bissaka. Oh, ce ballon relâché. Le faute de main. Oh, Mirante, il a remplacé Paulo Lopez. Il était parfait, mais là, il offre le troisième but à Cavani et Manchester United reprend l'avantage. Marcus Rashford, l'arrivée de Cavani, il a tenté un geste hyper compliqué. Et le tac de spécialiste, vous l'avez compris. Bruno Fernandes, monsieur Europa League, envoie peut-être Manchester United vers la finale. Deuxième poteau, Paul. Paul Pogba, Manchester United s'envole et prend un avantage presque définitif sur la qualification en finale. La Roma a lâché, c'est dommage parce qu'ils avaient montré de belles choses. Et une autre affiche très attendue ce soir, Robert. Absolument, un autre club anglais, Arsenal, sera face à Villarreal ce soir. Arsenal perdant à l'aller 1-2, on espère en tout cas pour le club anglais qui vont récidiver, qui vont permettre à l'Angleterre d'avoir 4 finalistes en Coupe d'Europe cette année. Et voilà qui fait donc l'essentiel de l'actualité en sport ce matin. Merci Robert d'être venu. Merci à vous. Édition de Daily Sport réalisée par François Xavier à Tangana, assisté de James Ranjou à l'édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À demain, 11h.